Près de Saint-Nazaire, un automobiliste fonce sur des piétons et prend la fuite. Âgé de 36 ans, le suspect, alcoolisé et sous stupéfiant, a été interpellé samedi à son domicile en fin de journée par les gendarmes, une heure après les faits. L'une des victimes se trouve toujours à l'hôpital. Le Figaro, Nantes. Un automobiliste de 36 ans a été placé en détention provisoire lundi 8 janvier après avoir été mis en cause dans un accident de la circulation survenu deux jours plus tôt à Saint-Malo-de-Guersac, en Loire-Atlantique. Samedi, aux alentours de 17h, dans cette commune située près de Saint-Nazaire, quatre piétons se promenaient quand une voiture a surgi et renversé certains d'entre eux, avant de s'enfuir. Une victime a été percutée et transportée au CHU de Nantes, où elle est toujours hospitalisée, en raison de ses blessures. Elle serait âgée de 68 ans, relate Presse Océan. Son incapacité totale de travail, ITT, est estimé à plus de trois mois. Une autre a dû sauter pour ne pas être percutée, son ITT est pour sa part de moins de trois mois. Choqués par la scène, des témoins ont relevé la plaque d'immatriculation et prévenu les gendarmes. Ces derniers ont pu retrouver le mis en cause et l'interpeller à domicile environ une heure plus tard, sans problème. Celui-ci était sous l'emprise d'alcool et avait consommé des stupéfiants. Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté devant un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, avec les circonstances aggravantes de la conduite en état d'ivresse et, après usage de stupéfiants, précise au Figaro la vice-procureure de Saint-Nazaire, Marie-Céline Loubarès. Le trentenaire avait déjà été condamné trois fois auparavant pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Les gendarmes poursuivent quant à eux leurs investigations afin de comprendre ce qui s'est passé.